Un peu plus à gauche. Plus à gauche? Oui, un peu. Encore. Non, reviens. Pousse-toi. Plus près. Non, plus loin. Là. Reste là. Reste? Reste là. Jean-Pierre? Non. J'empiète pas? Non. Qu'est-ce que tu as? Tu angoisses? Non. Pourquoi tu es la comique? La co? La comique. Nick. Pas Nick. Pas la comique. La conique. Nick. Comme neurasthénique, épidermique. Non, attends. Nick comme... C'est bon, n'insistez pas. Quand je t'ai appris ce mot, tu le répétais bien. J'ai dû changer. En tout cas, je n'angoisse pas. Je n'angoisse pas du tout. Pousse-toi un peu. Quand on sait quoi faire, on n'angoisse pas. Il n'y a pas de raison. Je ne vais pas m'angoisser sans raison, tout de même. Enfin, tout de même. Je sais ce que j'ai à faire et où. Surtout où. Le faire. On ne peut pas faire n'importe où. En tout cas, ce n'est pas mon genre. Il faut savoir où se trouver pour faire ce qui m'arrive. Justement, je sais que je suis là et je sais quoi faire là. Bon, alors, tu vois, franchement, hein, il n'y a pas de quoi se
Je veux dire de quoi ce... Arrête! J'étais où? Là! Touche pas, c'est moi. Tu devrais me laisser faire. Te laisser faire quoi? Pero te lo he dicho mil veces. Pero que me has dicho? Que me dejas hacer. Que te dejas hacer el qué? Pero es una broma, ¿no me escuchas cuando hablo? Claro que te escucho, demasiado te escucho, ¿por qué no te callas? Eres tú que te va a callar y ahora mismo. ¿Ahora mismo y si no qué? ¡Idiota! ¡Anticlerical! ¡Vete a la mierda! ¡Hija de puta! ¡Me cago en la leche! ¡Calla! ¡La gente no está mirando! ¡Para! Mais je t'ai dit, tu n'écoutes pas. Je sais très bien, je sais précisément. Alors fais-le, t'occupe pas des autres. Je vais le faire, ne me commande pas. Tu sais bien que je n'aime pas être commandé. Je vais le faire. Ça y est? Ça y est, je suis en train. Non, pas là. Je dérange? La place est prise. Vous attendez quelqu'un? C'est pris, je vous dis. Tout est pris. Et là? Là? Mais vous voyez bien que c'est moi qui suis là. Vous êtes sûr? Comment ça, si je suis sûr? Vous voulez me faire douter que... Non, je suis bien là. J'y suis. J'y étais tout à l'heure. J'y suis encore. Touchez. Touchez-moi si vous voulez pas me croire. Oui, vous êtes là. Vous avez votre coin où respirer, manger, dormir et vous reproduire. Très juste. Et moi, je dois continuer à tourner en rond sans pouvoir m'arrêter? Ce n'est pas mon affaire. Je ne peux pas disparaître. Même si je le voulais, je ne pourrais pas. Même si je me force de toutes mes forces. Maintenant que j'ai apparu, je ne peux pas disparaître. C'est trop dur. On ne vous a rien demandé. Puis d'abord, qu'est-ce que vous êtes? Un homme ou une femme? Avec cette gueule que vous avez, on ne peut pas savoir. Je peux vous toucher. Juste pour savoir. Prenez-moi pour qui vous voulez. Prenez-moi chez vous, je vous en prie. Je serai ce que vous voulez, un mâle, une femelle, un poisson rouge, un pékinois. Pourquoi un pékinois? Ça prend très peu de place. Ça fout des poils partout. Très peu de place. Je prendrai très peu de place, je vous assure. Je me méfie. Je vous donnerai quelque chose en échange. Même. Je me méfie. Qu'est-ce que vous voulez? Personne ne s'est jamais préoccupé de savoir. Moi? Je me préoccuperai de vous. Laissez-moi un petit morceau de place, je me préoccuperai, vous verrez. C'est-à-dire? Je vous demanderai si vous avez bien dormi. Pour dormir, c'est chacun son tour ici. Et quand vient mon tour, je n'ai plus sommeil. C'est ça votre préoccupation? Non. Je vous demanderai plus. Beaucoup plus. Je demanderai si vos bras, si vos jambes, si votre humeur, si votre âme... Si vous êtes, je veux dire, bien heureux, tout entière avec moi, près de moi, puisque je serai là avec vous, dans la place que nous partagerons, dans cette place, bien dedans. Moi, et aussi vous, oui, à cet endroit même où vous êtes, moi aussi, me serai. Vous sentez, j'y suis, et vous ne vous en apercevez presque pas.
Non, décidément, je ne tiens pas debout. La tête me tourne, il faut que je me recouche. Excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Je suis le roi Torolor. Ah, ma tête. Je suis un roi très modeste. Il ne faut pas vous formaliser. Dans mon pays, nous sommes des gens sans façon, voyez-vous. Tout le monde est comme le roi est comme tout le monde. Venez donc nous rendre visite. Vous visiterez mon potager. Je vous offrirai des légumes exceptionnels. Ah, mes tempes. Ce n'est rien. Ne vous inquiétez pas. Qu'on m'apporte une serviette chaude. Une serviette chaude pour la tête et mon remède. Ah, que je suis dolent. Roi Torolor, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Moins fort, je t'en prie, tu vas me faire exploser le crâne. La serviette, vite. Ah, ça me soulage un peu. Tu disais? Deux visiteurs demandent à vous voir. De quoi? Ah, dans l'état où je me trouve, ce n'est pas raisonnable. Mais il ne faudrait pas qu'ils racontent que nous sommes inhospitaliers. D'où viennent-ils? Du fond de la mer. Un naufrage, paraît-il. Du fond de la mer? C'est sûrement très joli par là. Bon, je ferai un effort. Qu'ils entrent. Non, attends. Un seul suffit. Que l'un des deux entre. Oui, un visiteur pour aujourd'hui, ce sera bien suffisant. Il ne faut pas que je me surmène. C'est au roi Torolor que j'ai l'honneur de parler. Lui-même. Ah, ma tête. Ah, mes pieds. Je vous salue. Je suis Aucassin de Beaucaire.